ce qui est bien, c'est que limite, il n'y a pas de chargement. C'est incroyable. Pour du 2000, il n'y a pas de chargement, rien. Je suis bluffé. Ah, d'ailleurs. Tiens. Qu'est-ce qu'on voit là-haut? Attends, on va ranger d'ailleurs. Regardez, hop, direct on a trouvé le truc. Et là. Moi je vais tout péter. Hein. Et voilà, on était arrivé juste pile poil derrière. Pile poil où il faut. C'est-il pas fou ça? Attends, me dis pas. Bon, en tout cas, on fait des petits trucs annexes. Ah ouais! Ah ouais! Ah, mais pas du tout, on n'est pas du tout là en fait. Ah ouais, d'accord. Oh, 200 rubis. Ah ouais, mais on n'y est pas encore. Non, mais c'est incroyable. On n'est pas encore au bon endroit. Pardon. Putain, on n'est pas encore au bon endroit. J'ai l'impression que ça fait comme dans Mario 64. Plus on approche du tableau et plus ça s'éloigne. Oh là là. Mais là on y est. Ne me dites pas qu'on y est pas. Ah. Oh là, c'était bizarre. Ok, tu as remarqué Ryujo? Depuis que nous avons abordé l'île du poisson infecté des de monstres, c'est comme si le temps s'était arrêté et le jour ne se lève plus. Est-ce la malédiction dont parlait Valou? En tout cas, si le jour ne se lève pas, nous n'avons pas à craindre que les pirates nous précèdent. Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré sur ton île. Tu pourrais peut-être en profiter pour aller embrasser tes proches. Nous pourrons partir après la recherche du jabou. Ok, ouais. On va embrasser mes proches. On va aller voir mes proches. Mamie. J'espère qu'elle va bien.
notre chère petite mamie. On va aller voir. Alors, nous voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh. Yo-Jo, Ariel, ne partez plus. Ne laissez plus votre mémé toute seule. Ouh, pitié. Odie. Ah, la pauvre mamie. Eh oui. Eh oui, elle se sent seule. C'est normal. C'est normal. Du coup. Du coup, on va passer par là. Voilà, moi je passe par là, je sais pas pourquoi. Ou... Peut-être que c'est pas par là ou autre. Mais on passe par là. Quoi, juste pour ça? Oh là là. Aïe aïe aïe, je crois que j'ai fait le mauvais choix. Déjà, je pense qu'on va aller à la grotte là-haut et poser la bombe. Déjà, je pense que ce sera déjà pas mal. Putain, il y a même des machins. On se croit dans Kingdom Hearts. Dans Kingdom Hearts, c'était pareil. À un moment donné, il faisait tout noir comme ça sur l'île. Et il y avait plein de trucs, plein de méchantes bêtes. Ah, mais là, on va se faire. On va se faire bzéo. Sick, sick. Donc là, on recasse tout ça. Normalement. Oh putain, il fait aggro. C'est complètement malade. Ils vont m'agresser, ou. Ah, j'avais pas envisagé. Re. Re. Ah, mais le roi. Ah, mais il y a encore le gars là. Oh, quel dommage! Je pouvais jouer jusqu'à cette colline. J'irais bien voir ce que je cherche sous ce gros rocher. Ça m'a échappé. C'est un secret, c'est un secret. The secret. Ah ouais, l'espèce de machin là-bas. Ah ouais. Oh, il est... Oh, what the fuck? Attends, on va voir un truc là. Il y a l'espèce de gros machin. Bah alors, t'as fait quoi? Alors, on a vogué sur les mers, voilà. Ah ben, on a vogué sur les mers. C'était... On a mis 10 ans à revenir ici. Regarde comment il est gros! Incroyable! Oh, bah... Oh, je soulève... Oh, la gueule qu'il fait. Fine de ses gueules. Il est énorme! Ah oui, attends, on va parler aux habitants quand même. Je sais pas s'il faut que j'utilise. D'ailleurs, on va quand même parler aux habitants. Oh, Ryujo, tu es de retour! Il se passe des choses effrayantes de cette île depuis que t'es parti. Ne reviens pas trop tard chez toi, reviens me voir demain quand il fera jour. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je suis si contente que tu sois sain et sauf, Ryujo. Je me faisais beaucoup de soucis pour toi. Les enfants vont être très surpris de voir que tu es rentré. Regardez, les petits marmots, ils dorment. Mon dodo. Ils font dodo. Alors. Ah! Ah oui, j'en ai plus. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus de magie. Zboui, zboui, zboui. Bon, là, il va falloir aller derrière. Alors. Tac.
Quoi ces bruits là, chelou? Il y a des espèces de gens qui parlent très vite. Et ouais, hein, j'ai fait que voguer sur les mers, c'était pas très intéressant. Mais bon. Là, on est dans la partie intéressante, donc... Tu es revenu pile au bon moment. Ah, j'ai pas... Bon. Normalement, là, si je mets le... Si je mets le temps... Enfin, le... Voilà. Normalement, on est bon. Par là qu'il faut passer. Nickel. Nickel. Voilà. Ça, on est bon. On est bon, bon, bon. Oh, y'a des gens qui grôdent. C'est vrai, on va faire quoi? Ben là, on va... Ah oui, c'est vrai, ben oui. Que je te dis. Eh ben là, on va... Au tout début de l'aventure, il y avait une espèce de pierre. Je me rappelle. Et qui était par là. Oh putain. Oh là là, c'est le bordel. Il y avait une pierre vers ici, là, je sais plus où. Voilà, il y a une pierre, là. Et on a pris des bombes. On avait été chez les pirates. Et on les a un peu truandés. Enfin, truandés. On a été les voir, ils nous ont pas vus. On est allé dans leur bateau. On a fait l'espèce de parcours. Et après le parcours, le gars, il nous a offert des bombes. Et après les bombes, on est allé ici sur l'île de l'Aurore. Et les pirates ne sont pas encore arrivés parce qu'on n'est pas encore à l'aube. Donc on peut encore faire plein de choses. Pour les contrer. Alors, objet. Voilà, une petite bombe, une petite bebon. Ah non! Mais non! Je fais nimp. Ouais, il pleut, ouais. Il pleut. Boum. Voilà, le petit trou. Et ça, je crois. Il est marqué quoi dessus, là? Ex-fontaine des fées. On raconte qu'un jour, le héros légendaire serait venu se reposer auprès de cette fontaine après un combat. Une fée est sortie et elle aurait soulagé ses douleurs. La fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse. C'est pourquoi son roi est également appelé Fontaine de la Déesse Fructueuse. Ah oui, c'est vrai. Bon, là, ils font écho à... Mets-toi plus loin. Ils font écho à Ocarina of Time. Alors, j'ai un petit décalage avec les messages. C'est pour ça que non, je l'ai fait. Au moment où tu me l'as dit, je l'ai fait. Il y a un petit décalage, donc... Un trou. Oh putain. Attention la madame. Oh, la madame. Jeune homme, qui sait contrôler le vent? Laisse-moi t'aider dans ta quête. Alors je sais pas quelle voix elle a. Laisse-moi t'aider dans ta quête. Oh les space. Des petits papillons de fleurs. C'est le fleur de cerisier. Le maximum de rubis que vous pouvez avoir a augmenté de votre bourse. Jusqu'à 1000 rubis! Heureusement que ton robot ne me... Ah, heureusement que ton robot ne me banne pas parce que je fais que parler et sur d'autres streams, les robots ne m'aiment pas. Ben, en fait, j'ai encore un peu de mal avec les robots et tout ça. Donc, je n'ai pas encore paramétré. Et c'est surtout qu'il n'y a pas la... Bah parce qu'il n'y a pas le truc lent et tout ça, et comme il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà, j'ai pas encore paramétré tout ça. Donc c'est normal. Après, eux, ils paramètrent de... Ils font en sorte que
y a certaines choses qui sont pas dites et tout ça, ou que ça floude pas, quoi. Faut pas que ça floude. Donc si ça floude trop, il coupe les messages. Il me semble que c'est ça. Hein. Ah non. Ah non. Aïe aïe aïe. Mais attends, attends, attends. Ça sert à rien de faire ça. Ah mais peut-être. Oui, il faut que je passe. Il y a un trou là, ouais, mais. Je crois qu'il va falloir que j'aille derrière. Avec Lion Rouge. Parce que là, on a augmenté la bourre, c'est bien. Mais il va falloir qu'on fasse le tour. Je pense. Donc on, là, on va aller voir les lions rouges. Ah, on peut peut-être y aller directement là. Oh la gueule du bordel. Ah bon, on va y aller. Hein. On y va. Ils sont méchants avec toi. Qui? Les méchants? Oh, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas la force de se trouver ni de briser ce crochet pour le moment. Mais un objet te donnera cette force de pouvoir se trouver quelque part. Pars à sa recherche. Ah merde. Ah mais je pouvais. Oh, je pouvais le poser. Juste comme ça. Oh le con. Non, je peux pas l'exploser. Hein. Ah mais oui! Ah oui, 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 j'ai compris! Alors attendez. Déjà ce qu'on va faire. Ah oui, ok, les méchants. Les méchants qui sont méchants. Pas très gentil d'être méchant. Bah ouais, mais bon, les méchants en IA qui font que... forcément qu'ils veulent me tuer. Si tu es prêt, nous pouvons partir à la recherche de la caverne où se cache Jabu Jabu. Ok, on va aller... Bah c'est parti, hein. On y go. Hein. D'ailleurs... Est-ce que je peux le péter? Oh, si je peux le péter, ça serait magnifique. Ça fait quelque chose? Non, ça a rien fait. Donc normalement... Derrière l'île, il devrait y avoir... Oh putain. Oula. Oula, oula, oula. Ah, est-ce que ça fait quelque chose là? Plouf, plouf, dans l'eau. Bah super. Normalement. Voilà. Là, je casse. Là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Ah, faut pas que je tire trop parce qu'après, j'en aurai plus. J'aurai plus de. Les munitions, va falloir que j'aille acheter Thierry après. Acheter des bombes. Voilà. Ah là ça s'est enlevé. Nickel. Donc on est dans le trou. Enfin, nous avons trouvé la caverne de Jabu. Jabu Jabu. Oh.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Je comprends rien. Ça fait si longtemps. Oh, ça fait si longtemps. Je suis heureux de voir que tu es sain et sauf. Ok. En effet, il semble que Gamon soit de retour. À vrai dire, c'était pas tout à fait cela. Le jeune garçon que j'ai amené avec moi n'est pas le héros de la légende. Mais j'ai foi en son courage. Tout que possible. Oui. Ah, mais c'est lui qui parle comme ça. C'est Lion Rouge qui fait. Hey. Waouh, et là, il nous donne la perle direct, comme ça, d'un coup. Direct. Aucun mind game. Ok. Direct d'un coup. Vous obtenez la perle de Nehru. Ce joyau divin vous est remis par Jabu, l'esprit de l'eau. Ah, direct, là, on n'a rien fait. On a trouvé le truc direct comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est donc bien la malédiction de Ganon qui fait tomber ses pluies funestes et empêche le jour de se lever. Ce sinistre individu, sans doute, a sans doute décidé de plonger notre monde dans les ténèbres. Je le crois, oui. Je ne comprends rien. Le pouvoir de la perle de Jabu a enrayé la malédiction de Ganon. Le jour devrait bientôt se lever. Tu as en ta possession toutes les perles. Es-tu prêt, Ryujo? J'ai indiqué sur la carte les endroits où tu dois apporter les perles. Quand tu auras apporté une perle sur chacune de ces trois îles, l'endroit où tu devras montrer tout ton courage sera révélé. La retraite de Jabu montre à elle seule que Ganon est bien décidé à nous barrer la route. Nos soucis ne font que commencer. De plus grands dangers nous guettent. Fais vite. Fais vite ce que tu as à faire sur l'île de l'Aurore pour ne pas avoir de regrets plus tard. Ok. Bah alors avant ça, je vais quand même faire une petite pause. Parce que j'ai envie d'aller, voilà. Donc alors, voilà, petite pause, j'avais bu un peu d'eau. J'ai fait mes besoins. Simplement. Du coup, je dois faire quoi? Ah oui, je dois aller à. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En plus, j'ai eu un appel et tout ça. Donc là, avec 3 points, il va falloir que j'aille là. Voilà, alors. Du coup, tac, on passe par là. Eh mais d'ailleurs j'ai gagné un. Alors. Ah oui bah c'est normal, j'ai gagné 2 cœurs. Je suis bête. Normal que j'ai gagné 2 cœurs. Ah, il a dit que. Ah oui, c'est vrai, il avait dit que. Il fallait que je revienne ici, sinon j'aurais des problèmes. Bon, je sais pas. Après il y a la sœur Ariel, machin. Ah mais non, mais la sœur Ariel, elle n'est plus là, c'est vrai. Je suis bête. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va peut-être finir le jeu très rapidement, là, c'est un truc de ouf. À peine. Sachant que je le fais pas à 100%, ce sera fini dans 10 heures, quoi. Ça se trouve, je loupe des choses, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc là, ah, c'est la petite île là-bas. Donc là, on dépose les perles, les 3 perles, le Din, le Nairu et l'autre perle, la perlouse, perle de Nairu, Faror. D'ailleurs, la perle de Nairu, on l'a eu gratos quoi. Putain, mais il pleut dehors. Ah, vous devez entendre un peu, je pense, mais ah, il pleut dehors. Comment ça, pourquoi? Pourquoi quoi? J'ai un petit décalage, donc il se peut que je ne comprenne pas ce que tu me dis des fois. Excuse-moi.
Parce que j'ai mis le chat en mode 2-3 de décalage. J'ai pas mis en instantané. Ah oui, pourquoi mettre les perles de dinde? C'est pour. Enfin, pour moi, pourquoi mettre les perles? Tout simplement parce que il faut les mettre pour après avancer dans le jeu. Non, mais il faut les. Il faut bah justement les mettre parce que. Parce que c'est obligatoire pour après. Déjà, pour sauver Ariel. Bon, y a pas que ça, mais il y a un autre truc. J'ai plus trop suivi, mais. Je crois que c'est ça qu'il faut poser. C'est ça qu'il faut. Faut les mettre dedans, non? Mais ouais, il faut les déposer. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi on les fait. Faut les poser. Ah oui, c'est pour le Ganon, c'est pour défier Ganon. Et oui, détruire le mal. Et oui, c'est vrai que c'est ça. C'est ça le délire. C'est pour le mal. On a mal. Ouais, c'est enflammé le machin. Ah, mais c'est pas là. Ah, mais c'est encore une île annexe, ça. Putain, d'ailleurs. Bah, t'es. Tac. C'est vrai qu'il y a plein d'îles annexes dans le truc là. Ah oui, là il faudrait avoir un truc de force à mon avis. Ouais, mais c'est pas là qu'il faut poser la perle. La perlouse. Ce n'est pas là. C'est la voile là. Oh putain, oh là, faut pas être... Oh là! Il m'agresse. Il m'agresse. La tornade m'agresse. Oh punaise. Bon, un peu d'eau quand même. Ah! Un jour, les flemmards domineront le monde. Mais pas demain, la flemme. Bien sûr, X Zorak. Zorak, bienvenue à toi. Buvez de l'eau, hein. Tous les jours, faut boire de l'eau. Eh oui, les flemmards. On est tous flemmards dans la vie, hein. Qu'on le veuille ou non. Même moi, je suis flemmard. Bon là, mais y a pas d'île là, qu'est-ce qu'il me... Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais pas demain la flemme. Ça c'était drôle quand même. Alors, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'on est dans le truc là, mais y a pas... On voit rien. Y a pas de... Mais on est dans le trou-trou là et. Il y a que dalle. Ah mais c'est ça. Ah mais c'est. Mais ça peut pas être aussi long. Ah mais si c'est là. Attends, j'esquive là. Ah! Ah! Vite! Oh vite! Oh vite! Oh punaise. Mais pourquoi ils volent tout autour de moi là? Bon, ils vont me casser les pieds ceux-là. Moi je vous le dis, hein. Bam! Oh là là, ah, mais c'est. Je déteste ces saloperies. Et ouais, oui, tu vas bien, Sorak aussi. Est-ce que tu vas bien? Oh, toi, tu as parcouru les mers à la recherche des dieux. Dépose ici ta perle. Il va péter? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez posé la perle de Nehru sur la statue d'argile. Plus que deux perles. On va ajouter deux perles. Putain, vite, faut vite se casser, on va se faire.
On va se faire aggro par ces machins là. Ils me font peur. Ah! Il a foncé derrière moi. Je l'ai dit, hein. J'ai demandé s'il va bien. Ce petit cri. Ah ouais, je fais des petits cris bizarres. Je fais des cris chelous. Voilà, on est parti pour la deuxième perle. La deuxième perle. Pouette, pouette, pouette. Ah, ça pleut. Tu peux clipper, hein, ça sert à ça. Tu peux clipper. Tu peux clipper. Je sais même pas quel... Je fais ça tellement naturellement que je sais même pas... Quel cri j'ai fait. Tu peux clipper, ouais. Pouette, pouette. Tadam. Bon, la deuxième. Déposons la deuxième perle. Ça va faire un produit en croix qui va... Oh, putain, c'est quoi ça? Et qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Il y a eu un problème. Allô, je sais pas quoi faire. Il y a un problème sur le stream. Pourquoi? Ah, t'as été banni. Ah, excuse-moi. Ah, merde. Pourquoi t'as été banni? Attends, je vais voir ça quand même. C'est bizarre. Ah, oh, punaise. Ah, excuse-moi. Putain, je sais pas pourquoi t'as été banni. 120 secondes. C'est le bot. C'est peut-être parce que tu parlais trop, à mon avis. Ce qui fait que ça a tout pété. Ça a tout cassé. Donc attends. Normalement. Je règle en même temps que je joue. Hein. Il n'y a pas de problème. Mes commandes. Ah, oh, toi qui as parcouru les mers à la recherche des dieux, dépose ta perle ici. C'était trop chelou. Non, c'est bon, c'est que tu m'aimes. Mais non. Je ne t'aime pas. Pas du tout. Vous avez déposé la perle de Faor sur le statut d'argile plus qu'une perle. Yes. Ouais, du coup, la dernière perle. Ouais, c'est ça, si je me noie dans l'eau, tu vas te spawner dans une sorte de sanctuaire. Ah ouais? Donc là, si je me noie, par exemple, je vais spawner dans un sanctuaire, tu crois? On va tenter. D'ailleurs, c'est quoi ce machin là-bas? Mais c'est quoi? What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces machins? Ils sont là en mode... je vais prendre le trésor. On va prendre le trésor. Alors qu'est-ce que ça va me faire? Ah non, c'est une façon que tu as. Ah mais je crois que c'est en fonction de... Je sais plus quoi. Je crois que c'est par rapport à un truc. Je sais plus quoi. Mais c'est par rapport à un machin. Vous m'avez compris? Pas du tout. Mais je crois que c'est par rapport à une tornade, enfin à la tornade de je sais plus quoi, qui fait que... Ah, ils m'ont pranké. Hein. Ah là, il m'a pranké. C'est le prank. Il m'a pranké.
Je suis pranké. Le prank ultime. Prank, c'était tout faux. Bon, du coup, on va déposer la dernière perle. Et on est bon. On sera bon. Il va y avoir je pense, un espèce de grand sanctuaire. Non, mes souvenirs, c'était ça. Mes souvenirs, il y avait un espèce de sanctuaire de ouf malade. Mais c'est quoi ce machin là? C'est quoi cette glace au chocolat là? Pas du tout. Bon, je redessus, j'ai oublié les clopes. Ah, ça fume. Ça fume. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah attends, on a les bombes. Eh, on a les bombes. On peut faire des choses, tiens. On va déposer la bombe. Alors, que je la pose, hein, tranquillement. Ah oui, il y a des korogus. Alors, ça se trouve, les korogus. Bonjour l'ami, ami à l'épée, comment vas-tu? C'est quand tu croises une sorte de tornade au milieu de la mer, tu verras... Tu auras une grenouille qui te donnera sa mélodie quand tu vas l'abattre pour te TP avec une sorte de tornade. Ah oui, c'est vrai, oui, je m'en souviens. Parce que j'avais vu un let's play dessus, justement, et oui, c'était ça. Il y avait un délire comme ça. Alors, je sais pas à quel moment c'est, mais parce que tout à l'heure, il y avait une tornade avec une grenouille qui m'a fait respawn quelque part. Et Lion Rouge m'a dit que c'était parce que, voilà. Parce que tu peux te TP grâce à ça et tout ça. Voilà, mais regarde. À chaque fois que c'est la même chose, au lieu de pousser et d'agrandir la forêt, mon arbre meurt. Et je pense que ça doit être la même chose pour les autres Korogu qui essaient d'agrandir la forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais ces arbres de la forêt ne résistent que si toutes les graines de l'année poussent à la même vitesse. Comment faire si nous n'arrivons pas à faire pousser ces graines? Mon arbre mojo finira aussi, lui aussi par mourir. Il me faudrait de l'eau, de l'île. Ah ouais, non mais d'accord, faudrait qu'à chaque île comme ça, il faudrait que je j'aille aux îles de la forêt pour faire le machin, quoi. Ouh là là. Bon, il y a une petite... voilà. Automode a reçu un message, hein. Attention, ouais, mais il faut la tuer avec le canon de ton bateau quand tu la croises. Je t'autorise, mais bon. Faut... Voilà. Quand tu la croises. Ouais, c'est ça, il faut tuer ça, ok. Il permet de faire pousser les arbres. Donc là, il va falloir que je ramène l'eau, etc. S'il te plaît. Enfin bon, on verra ça plus tard. Et attention aux mots, hein. Le bot, il n'échappe pas aux mots... voilà, hein. Ça va être très bien. Attention. Jeune homme qui sait contrôler le vent. Laisse-moi t'aider dans ta quête. Alors. Ah. Et donc là, il nous donne alors max de bombes que vous pouvez transporter augmenter. Vous pouvez désormais transporter jusqu'à 60 bombes. Moi, je dis plus rien. Il me banne, MDR. Ah ouais, non, mais c'est... Mais en fait, c'est le bot qui banne. Parce que je crois qu'il voit des trucs, des machins, et du coup, ça banne. Parce que tu... Enfin, parce qu'on parle trop. Si tu parles trop sur le truc, ça fait ban le bordel. Enfin, il te fait ban. Donc, les lois de blessure, machin, ok. Donc je comprends pas, c'est compliqué. Machin, il banne, il débanne. Trop bizarre. Raciste, ça a aucun sens. Non, il peut pas être raciste. Je sais pas de quelle couleur tu es. Après, blanc ou noir. Blanc ou noir, il peut être raciste quand même, le bot. Mais non, mais ça a rien à voir. Puisque raciste, c'est que au niveau de la couleur, non? Donc, Et du coup, on va déposer... Je suis bleu. Ah, t'es un schtroumpf. Bah super, ça.
un schtroumpf. Du coup, on va à la deuxième île. Putain, il y a des poissons qui volent. What the fuck? Mais c'est pas là. Non. C'est pas ça. C'est quoi ce chantier là? Boîte pour la poète. Putain, les bombes, ils ont été refaits. Ah oui, parce que, ouais, elle nous a redonné des bombes, et du coup, on peut porter 60 bombes maintenant. Super, ça. Ben zut, alors, bah oui. Ben zut. Après, j'ai pas encore bien paramétré le truc, quoi, donc... Peut-être qu'un de ces quatre, je le paramètre mieux. Du coup, on va déposer la dernière perle. Oh! Bon, ça, voilà, il le met. Oh, toi qui parcours les mers à la recherche des dieux, dépose ta perle ici. URL autorisé. Vous avez déposé la perle de Dean sur la statue fragile. D'argile, la statue fragile. Fragile la statue. Waouh. Ça va faire un 3 machin. C'est bien. C'est bien ce que je dis. Tempo les followers. Bah si tu veux. Bah si, les followers, c'est que ceux qui te suivent, donc c'est normal. Donc je les aime bien. Tu veux de la bagarre? De toute façon, ça fait déjà 3 heures qu'on est sur... 4 heures! Ça fait 4 heures qu'on est au stream. Ce qu'on peut faire. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. J'allais dire, ce qu'on peut faire, c'est un smash. Et là, il y a une petite... une petite thématique. Et ouais, j'ai fait un triangle, c'est quand même des Bermudes, pas du tout. Oh, c'est écrasé comme une crêpe. Alors, c'est pas le triangle des machins. C'est encore plus poussé que ça, on est dans Zelda. C'est encore plus poussé que ça. Et donc là on va... Le problème c'est que dans Zelda, tu n'auras jamais du combat pur, à part à la fin et tout ça quoi. La tour qui vient d'apparaître, parce que t'as plus d'énigmes que de combat. La tour qui vient d'apparaître grâce au... Tu t'es fait une... Oh, j'ai fait une petite tour, une petite tour, pas mal. La tour qui vient d'apparaître grâce aux trois perles et à l'endroit que les dieux d'antique ont choisi pour mettre le courage des hommes à l'épreuve. Seuls ceux qui parviennent à surmonter ces épreuves sont reconnus par les dieux comme des héros et autorisés à détenir la force nécessaire pour anéantir le mal. Ryujo, la force qu'il te faut est portée de main. Que les souffrances que tu as endurées jusqu'à présent te donnent foi et courage, triomphe des épreuves des dieux. Ok. Et du coup, on doit faire des épreuves. Des épreuves des dieux. On y go. On va faire l'épreuve des dieux. Le Deus. L'épreuve de Deus. On va tous les soulever. Tintanan. Donc voilà, on rentre dans le truc. Ah. Qu'est-ce qu'il me raconte? Donc ouais, on est dans la tour des dieux. Et c'était là où je m'étais arrêté étant plus jeune.